une femme dans une maison, la posture. Tu veux me servir la nourriture, regarde d'abord où tu enlèves-moi tes pieds sur la table là. Ça c'est quelle bêtise. Regarde comment tu sers la nourriture comme un chien. J'arrive à la maison pour manger. Regarde les chaussettes des enfants. Regarde. Toi tu trouves ça normal. Tu penses que c'est normal ce que tu fais là. Après quand tu commences, quand tu as bavardé, on va dire que je suis mauvais. On va dire que je suis mauvais. Le silence n'est pas signe de faiblesse. Le silence n'est pas signe. Si j'ai peur de t'en rester tranquille, chaque fois que tu me fais tes bêtises là, c'est pas parce que j'ai peur de toi. C'est parce que tu te répètes en tant que mon mari. Et à la limite, à toute chose. Vous-même, vous entendez non? Quand je vais tabasser sur toi ici, je veux pas que tu t'esquives. Il faut que tu te poses la question à chaque fois. Qui me dit qui a mangé, qui a bu chez nous? Regarde comment tu sers la nourriture à quelqu'un comme un chien. Regarde, regarde tes pieds sur la table. Une femme, le matin, même pas midi, regarde, à 8h, tu as les pieds sur la table comme ça. Là. Tu trouves ça normal? Et où je mange? Est-ce que tu trouves ça normal? Où tu trouves ça normal, toi aussi? Et quand elle parle, tu m'enlèves les pieds sur la table de la vie. C'est même quelle histoire, ça? Après qu'elle parle, vous avez dit que je bavarde. Vous m'insultez après. Quelle bêtise, ça?